élaborer un plan qui pour permettre que dans 3 prochaines années, nous effectivement jeter les bases pour que l'agriculture haïtienne vienne une agriculture qui rentable, une agriculture qui permette que les produits assez mangés pour petite terre à manger et qui permette que les créer richesse. Et c'est dans ce sens ça que nous dit que relance agriculture, eh bien, faut nous faire li parce que aujourd'hui, nous constatons li. C'est à peine que la production agricole est capable de satisfaire 45% de besoins alimentaires du pays. C'est parce que ensemble de politiques publiques qui t'a pas appliqué dans les 50 dernières années, tu es plus encouragé l'importation de produits agricoles que effectivement investissement dans la production agricole. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes nous disons qu'il faut que nous encourager les investissements dans le secteur agricole. Et dans ce sens, nous élaborons un programme qui a 4 axes. Le premier axe, c'est garder comment nous sommes capables de faire pour nous renforcer l'agriculture familiale. Donc, vous connaissez, jusqu'à présent, je vous dis, l'agriculture haïtienne est une agriculture de subsistance. Une agriculture côté, eh bien, paysan, il est plus consacré pour produire, non, premier temps, pour manger, et deuxième temps, pour partir, pour vendre sur le marché. Nous pensons que l'agriculture, ça a limité un pile renforcement, et c'est dans ce sens que la campagne agricole, on a regardé, que nous avons intensifié. Et campagne agricole, côté ministère de l'Agriculture, chaque année, ils ont intervenu, notamment dans la campagne printemps, simplement. Mais je dis, on nous dit que tous les 3 campagnes agricoles, le ministère de l'Agriculture a fait présent dans eux pour permettre de renforcer, eh bien, non seulement résoudre besoin en étant que l'agriculteur a gagné, aider à joindre les services nécessaires pour capable labourer, pour capable joindre engrais pour permettre que capable produire plus, eh bien, n'a pas continué à renforcer l'agriculture et familiale là. Deuxième axe, deuxième sous-programme que nous élaborons dans le programme Sanrele Relance Agriculture, c'est Sanrele Développement de l'agriculture commerciale. Et je dis, nous avons fait un pile d'efforts pour que les entrepreneurs soient capables d'investir dans le secteur agriculture pour être capables de développer des modèles d'entreprises agricoles qui sont capables d'intensifier la production. Et c'est dans ce sens-là, notamment dans le département nord-est, dans le plateau central, encourager eh bien, jeunes garçons, jeunes femmes, mettre ensemble, mettre ça au possédé ensemble, pour être capable, un, monter des dossiers qui bancables, des dossiers qui permettent que vous capable chercher investissement, pour permettre que vous capable investir dans le secteur agriculture. Nous pas de fermer, dit que aucun jeu pas qu'à rentrer jamais sur la République dominicaine pour Haïti. Nous te dit que le commerce là pas qu'à continuer fait, j'en te fait sans contrôle sanitaire. Pour n'importe monde à chercher n'importe jeu, n'importe pour la République dominicaine, sans pas aucune garantie sur qualité, ni que bête ça yo pas malade, ou que poule ça yo pas sorti dans les œufs ça yo pas sorti dans les poules qui malade rentrer dans le pays d'Haïti. Parce que la République dominicaine gagne une maladie qui affecte poule, qui pas affecte monde, mais qui affecte poule, qui c'est virus influenza aviaire, faiblement pas touché gène H5N2 qu'il a depuis 2008, nous dit nous ne pouvons pas accepter pour que le produit rentre sans conditions sanitaires. C'est ça qui est position. Et la République dominicaine te vle pour que nous levions l'interdiction sans conditions. Et que après, nous discuter sur comment pour nous capables d'appliquer les règles sanitaires. Nous te dit non. Et parce que nous te dit non, nous te ouais toutes. Vous y montez qui fait sous question, dit vous pouvez mener nous dans l'OMC, etc. Mais tout ça, pas chita sous rien. Parce que les règles sanitaires, même de l'ONC, sont claires sur ça. Nous-mêmes, nous simplement dit n'a pas appliqué les règlements internationaux de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et là où gagnons maladie la caillou, c'est où pour faire preuve de ce qu'on pas gagné encore. Donc, comment vous pouvez faire preuve là? Soit vous faites des analyses de tout le pays, ou bien vous pouvez faire des analyses dans des fermes qui protégeaient et qui très strictes, qui montraient qu'on pas gagné maladie ça. Donc, comme vous n'avez pas fait analyse sur tout le pays, hein, nous entendons que si vous avez des fermes, des entreprises avicoles qui sont bien fermées, sécurisées, et que vous êtes capable de faire des analyses dans l'entreprise, démontrer, test à l'appui, laboratoire à l'appui, que pas de maladie ça, et que vous êtes capable d'emballer les œufs dans des boîtes qui sont scellées, qui sont conditionnées, qui sont neufs, selon ça, l'Organisation mondiale de la santé animale dit. Nous n'avons pas de problème pour nous délivrer des permis d'importation pour que l'importateur aille chercher pour du ça dans la ferme. C'est ça nous dit depuis le 19 juin. Et c'est ça que un pile monde fait comme si on pas attendait et dit que c'est une guerre commerciale et que nous manquons de dégâts.
Donc, nous restons sous position, nous, clair. Et journée jodia, yo obligé, parce que yo ouais que nous pas prêt à le faire, ni à droite ni à gauche, c'est seule condition pour que le commerce recommence. Et c'est seule condition ça qui n'a intérêt nous. Intérêt nous parce que nous voulons pour que ce n'est pas ze pourri ou bien ze qui vient en fait 3-4 semaines dans le dépôt et en bas chaleur qui rentre dans le pays, gens ça te compte fait en vain. Nous pas voulons pour que ze yo sorti de n'importe poule et pour sa gargain maladie et qui vienne contaminer poule nous yo. Et nous pas voulons tout que ze sa yo qui des ze qui pas frais, le yo entre sous marché, yo casse prix marché et yo fait que businessmen ici pas qu'à faire l'argent parce que ze sa yo vend plus bon marché. Pour qui ça? Parce que yo pas de qualité. Donc, par rapport à trois objectifs, ça y est, intérêt nous, c'est exiger de la qualité. Et qualité, senti bon, coûte cher, oui. Mais c'est senti bon qui est capable de permettre tout à la longue développer le pays. Et si vous n'avez pas accepté n'importe qui vieux produit, eh bien, ça va coûter fort. Vous ne pouvez pas le piché puis devant, ni dans la santé, ni dans l'économie. Donc, position nous, c'est clair, c'est ferme et nous pas bouger. Et nous restons, attendre que vous réagissez. Depuis le 21 juin, nous-mêmes, nous disons. Parce que les recommandations, ça y est, ils rédigées en une heure de temps. Nous avons dirigé la délégation et techniciens qui ont discuté avec l'autorité vétérinaire dominicaine. Pas de aucune discussion qui était pour faite. C'était en y prenant un code international là, mais ça y est dit, et puis nous élaborons. Deux jours après, le ministre là-bas est fait vert, nous annonçait que nous-mêmes, c'est ça nous voulons. Et puis nous étions, et finalement, la République dominicaine a accepté, lui dit, recommandation, ça y est, nous voulons l'appliquer. Donc, pour y appliquer, deuxième étape, ça c'est, eh bien, effort ça y est menacé avec présence sur le marché de produits de mauvaise qualité. Donc, nous, pour protéger le secteur ça, et nous, pour créer les conditions qu'on y en a pour que plus de monde soit capable d'investir dans la production d'œufs.